grand programme que d'être la meilleure version de soi-même. Alors déjà, soyons clairs, des grandes versions de toi, il y en a un tas, les possibles sont infinis. La question est, au jour d'aujourd'hui, quelle est cette grande version de toi-même que tu imagines et la, vers laquelle tu veux aller dans cette vidéo, je vais te donner trois étapes pour aller vers cette grande version de toi-même et transformer ta vie. Oui, oui, ça fait beaucoup comme ça, mais je t'assure, ce n'est pas un effet d'annonce. Quand tu vas vers cette version de toi, de toute façon, ta vie se transforme. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Léa et je vais t'accompagner à te reconnecter à ton abondance. C'est exactement ce que je fais dans le cercle de lumière qui est un abonnement mensuel dans lequel je t'accompagne à te reconnecter à ton intuition et à l'abondance parce que pour moi les deux sont intimement liés. Si tu veux en savoir plus, le lien se trouve sous la bio. Maintenant parlons un petit peu de ces trois étapes pour aller vers la meilleure version de toi. La première étape, et c'est celle vraiment sur laquelle on commence dans le cercle de lumière, c'est l'identité. Pour obtenir quelque chose de nouveau, tu dois devenir quelqu'un d'autre, cette fameuse meilleure version de toi-même. Alors, juste pour clarifier les choses, moi je ne suis pas très fan de cette expression de deviens la meilleure version de toi-même parce qu'il y a quelque chose derrière de l'ordre de pour l'instant t'es pas assez, c'est pas assez bien et je ne peux pas être satisfaite tant que je ne suis pas cette meilleure version de moi-même. Pour Moi, c'est pas du tout ça parce que tu peux déjà être très satisfaite de ta vie maintenant et je t'encourage vivement à l'être, à être déjà pleine de gratitude pour tout ce que tu as maintenant. Mais tu sais que l'évolution fait partie du chemin d'un être humain. Aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même que j'imaginais il y a cinq ans, mais clairement, si je m'arrête à aujourd'hui, c'est bien dommage. Enfin, j'ai même pas 39 ans. Euh, si je m'arrête d'évoluer maintenant, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Donc, cette meilleure version de soi, c'est une version qui est en constante évolution. Et c'est plutôt ce truc de je vais aller vers encore plus de, de connaissance de moi-même et toujours vers plus de sens, de, vers ce qui m'anime. Mais c'est pas pour l'instant ce que tu es, c'est pas terrible. Et puis un jour ce sera mieux. C'est déjà magnifique l'être que tu es et c'est déjà un vrai miracle que tu sois là aujourd'hui à m'écouter, à respirer, à vivre. Le simple fait que tu sois en vie aujourd'hui, c'est déjà un miracle. Donc, la meilleure version de soi, ok, mais n'en faisons pas tout un plat quand même. Revenons à l'essentiel. Je suis déjà quelqu'un qui a énormément de valeur. Je suis quelqu'un qui a déjà une vie magnifique. J'ai déjà de la chance d'être ici. Maintenant, je continue mon chemin, je continue mon évolution et je visualise vers où je veux aller, simplement pour accélérer le processus. Qui tu es aujourd'hui, défini, de ta vie actuelle Qui tu crois être Parce que le « je suis », c'est vraiment une construction, c'est une construction de croyance, c'est une construction liée à une éducation, à des expériences de vie. Donc qui je crois être me mène là où je suis actuellement, dans la vie que je mène actuellement. Donc si tu désires d'autres résultats, la première des choses à se poser comme question, c'est « ok ». Qui je dois être pour avoir de nouveaux résultats. Donc la première étape, c'est vraiment qui je deviens à partir d'aujourd'hui pour aller vers les résultats que je veux obtenir, vers la vie que je veux vivre. La personne qui vit la vie que je veux vivre, comment elle pense, quelles sont ses croyances Et là, je te demande même pas de réfléchir à ce qu'elle fait, je te demande de réfléchir à qui elle est, qui tu es toi quand tu es déjà dans cette vie que tu veux vivre, dans cette meilleure version de toi-même. Et ça, ça commence par les pensées. Parce que qui je suis est défini par mes croyances, est défini par mes pensées, qui vont générer des émotions, qui vont donc générer des réactions, des actions et qui vont générer des résultats. Donc la première des choses à faire est simplement de faire le check-up de tes pensées. Quelles sont mes pensées actuelles qui me maintiennent là où je suis et par quoi est-ce que je vais les remplacer pour aller vers cette meilleure version de moi-même Une fois que tu as identifié quelles sont les pensées et les croyances qu'entretient ta meilleure version de toi, il est temps de te demander ce qu'elle fait. Et quand je te dis, qu'est-ce qu'elle fait, cette meilleure version de toi, c'est pas euh, comment est-ce que je vais arriver jusque-là, c'est non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Si tu fermes les yeux et que tu te projettes dans cette meilleure version de toi, quel est ton emploi? Si tu as un business, comment tourne ton business? Avec qui tu travailles? Dans quelles conditions? Comment est ta relation de couple? Comment sont tes relations amicales? Est-ce que tu voyages? Donc tout ça, je t'invite à aller l'identifier dès maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait cette meilleure version de toi Et à être spécifique. Encore une fois, c'est pas juste ben, plus tard je voyagerai plus ou j'aurai plus d'argent. Non non, c'est va sur des choses plus spécifiques. Pourquoi Parce que tu donnes le chemin à emprunter à ton inconscient, à ton subconscient et même à ton conscient de où est-ce que tu veux aller. Vers quoi on doit la mener elle qui rêve, qui a des grands rêves. OK, mais vers quoi est-ce qu'on t'amène Maintenant, pour aller vers ça, cette meilleure version de toi, elle a mis en place des habitudes. Pour vivre tout ça, la meilleure version de toi, elle a des habitudes. J'aimerais que tu te penches sur les, sur les habitudes de la meilleure version de toi. Qu'est-ce qu'elle fait de façon récurrente et répétée C'est très simple. Les habitudes que tu as actuellement te maintiennent là où tu en es. Actuellement. Donc il y a certaines habitudes que tu as actuellement dont il va falloir faire le tri et peut-être même le ménage pour les remplacer par de nouvelles habitudes. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. Parce que même tes pensées sont habituelles, ce sont des pensées récurrentes. Donc parmi ces habitudes, il y a les pensées que tu entretiens. Il y a aussi des petites actions que tu fais de façon. Euh, quotidienne et, et qui te, te maintiennent éloigné de cette meilleure version de toi-même. Si par exemple tu te t'imagines comme quelqu'un avec une santé florissante, euh, une magnifique peau et une très belle garde-robe voilà. Imaginons, euh, et que actuellement tu fumes, on est d'accord que là déjà pour la santé florissante, il euh, y a un petit bémol. Euh, tu as une peau magnifique dans la meilleure version de toi-même, mais tu manges très gras et très sucré, donc forcément ça se voit sur ta peau. Enfin, euh, je dis forcément ça peut se voir sur ta peau. Tu, tu rêves d'avoir une très belle garde-robe, mais au final, en fait, tu préfères prendre le premier truc qui arrive le matin, à savoir ton jogging préféré. C'est que les habitudes que tu as actuellement ne servent pas la meilleure version de toi-même. Donc, par quoi est-ce que tu vas remplacer ces habitudes pour incarner dès maintenant cette meilleure version de toi Rappel cette meilleure version de toi, il suffit de l'imaginer pour te connecter à qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont ses habitudes. L'imagination, c'est un, c'est un pouvoir énorme, c'est un pouvoir de création. C'est un, un pouvoir de visualisation, de création et de manifestation. Donc maintenant, il est grand temps que tu passes du temps à imaginer cette meilleure version de toi dans ce qu'elle fait, dans les habitudes qu'elle entretient et à faire le bilan de tes habitudes actuelles. VS, les, ha les habitudes de la meilleure version de toi et que tu remplaces ce qui est à remplacer. Petit conseil pour cette étape 2, le meilleur moyen d'aller vers de nouvelles habitudes, d'aller incarner cette nouvelle version de toi dans le faire. Dans, et dans le être aussi d'ailleurs, ça va être de visualiser, mais aussi de te mettre en place un tracker, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais Hop, je mets une croix. Est-ce que aujourd'hui j'ai je, je l'ai fait Je mets une croix. Ah non, aujourd'hui je l'ai pas fait. Ok, je vais être vigilante. Je, je me dis qu'il faut que je médite tous les jours pour être quelqu'un de plus posé, parce que la meilleure version de moi-même est plus calme, plus posée. Connecté à son intuition, connecté à la grande partie de soi. Eh bien, je vais mettre en place mon planning pour pouvoir méditer tous les jours. Je vais me lever une demi-heure plus tôt, tous les matins, pour être sûr de commencer la journée par ma méditation et ne pas laisser passer cette nouvelle habitude. Que je veux mettre en place. Donc, une nouvelle habitude au début, c'est plutôt une contrainte qu'autre chose parce que ce n'est pas habituel. Donc, il y a un mode résistance qui se met en place de la place de ton corps, de ton mental et c'est complètement OK. Juste ne laisse pas le corps et le mental être plus fort que ta volonté de changement. La troisième étape pour aller vers cette meilleure version de toi, c'est. Laisse-toi guider par l'enthousiasme, par l'excitation. <laughs> l'excitation, c'est pour moi l'âme qui s'exprime et qui te dit Waouh, c'est par là que j'ai envie d'aller, c'est par là que je vais trouver du sens, c'est par là que je vais m'épanouir. Et c'est intéressant parce que très souvent, notre enthousiasme, notre excitation nous mène loin des Il faut. Il faudrait que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Qui sont de l'ordre de la contrainte. L'enthousiasme, c'est j'ai envie, je veux aller par là. J'ai envie de vivre ça. Et c'est trop souvent sous-estimé, je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne, cet élan de vie, cette wow, ce, ce truc de je me sens attiré par ça n'est pas écouté. Pourquoi Parce que très souvent, ça n'a rien à voir avec la choucroute. C'est-à-dire que on a des objectifs et puis on a quelque chose qui nous enthousiasme, mais on se dit, mais les deux ne sont pas liés, donc pourquoi est-ce que j'irai vers ça Et là, j'ai envie de te donner un exemple personnel. Je suis coach business, ok, très terre à terre, et puis tout à coup, je mets à percevoir des choses et je me dis, c'est quand même bizarre, j'ai envie d'en savoir plus. On me conseille une école de médiumnité à Londres qui s'appelle le Arthur Finlay College. J'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs, je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi aller là-bas alors que je suis coach business, une école de médiumnité En quoi est-ce que ça va me servir au quotidien En quoi est-ce que, est que ça va me servir dans ma vie ou même dans mon business Mais je ne sais pas, il y avait cet élan et, et je l'ai simplement suivi. En suivant cet élan, j'ai découvert un espace, j'ai découvert des capacités magnifiques. Je suis entrée dans une zone de magie pour moi. Pourquoi Parce que je suis entrée dans une zone de d'exploration, de, de fun. Ouais, j'ai envie d'en savoir plus. Et au final, ça a transformé ma vision de la vie. Ça a transformé mon entreprise. Donc quelque chose qui apparemment n'était pas lié avec ce que je faisais déjà est venu enrichir ce que je faisais déjà. Donc quand tu as un enthousiasme quelque chose pour quelque chose et même si ce n'est pas raisonnable, si ça n'entre pas dans un plan logique, suis cet enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est vraiment ta voix intérieure qui te parle, ton âme qui te guide vers Hey, là, il y a quelque chose pour toi. Et c'est fort probable que ce soit en lien avec ta mission de vie. Donc, vas-y. Très souvent, on met trop d'énergie sur le comment. Comment est-ce que les choses vont se mettre en place Quand tu suis ton enthousiasme, tu laisses les opportunités venir à toi et le comment se résout au fur et à mesure. C'est vrai que dans notre façon d'agir, on est très pensé résultat. Voilà ce que je veux. Donc chaque action doit m'amener du résultat et on ne laisse pas spécialement de place à la magie de la vie. Âme, agit en langage des oiseaux, c'est en deux mots l'âme qui agit, et c'est exactement ça. C'est comme je veux tout contrôler, et eh bien je ne laisse pas la place à autre chose, à quelque chose qui pourrait être encore meilleur pour moi, quelque chose qui pourrait être encore plus grand que ce que j'imagine. Et pour moi, le contrôle te. Contrôle. Plus tu veux contrôler les choses, plus tu veux être certaine que ça va t'amener là où tu veux, plus tu étriques les possibles qui arrivent à toi. Donc il y a vraiment ce truc de, ok, voilà ce que je désire et je suis ouverte quelque part à mieux. Voilà ce que je veux vivre, voilà quelle est la meilleure version de moi que j'imagine actuellement mais rien n'est figé. je suis ouverte au possible, je suis ouverte à cet élan de vie intérieure qui me mène vers certaines choses et c'est pas pour rien si ça te mène vers ces choses- là. Si je regarde ma vie actuellement, je n'ai fait que suivre ça, ces élans de vie intérieure, et qui m'amènent à là où j'en suis aujourd'hui, alors qu'à la base, j'étais partie pour faire du théâtre. Euh, à la base, mes profs me voyaient prof de lettres, mais moi, je voulais juste être fleuriste, et quand j'ai été fleuriste, j'en suis arrivée à être décoratrice de mariage, puis créatrice de papeterie, puis officiante de cérémonie laïque, puis coach, et maintenant, j'accompagne des gens à développer leur intuition. Mais en fait, là où j'en suis actuellement, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas écouté ces élans de vie qui me menaient d'une case à l'autre. Et c'est exactement la même chose pour toi. Est-ce que tu es là actuellement parce que tu as écouté tes élans de vie ou parce que tu as subi simplement le ⁇ il faut ⁇ c'est tellement plus agréable d'être dans une vie où tu suis ton élan intérieur que lorsque tu suis les règles et les il faut. Donc, il y a vraiment ce truc de revenir à qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi. Et quand quelque chose se présente et que j'ai envie d'y aller, je sens cet élan me pousser vers ça, suis-le, fais, fais confiance à cette petite voix, même si ce n'est pas rationnel. Ça ne va pas avec le reste. Il y a quelque chose pour toi par là qui se cache certainement. Avec quel état d'esprit est-ce que tu vis tes journées Avec l'état d'esprit de ce sera mieux demain et aujourd'hui je subis Ou avec l'état d'esprit de l'excitation de vivre déjà quelque chose qui te, qui te plaît Et en plus avec l'opportunité de créer quelque chose qui va en t'apporter encore plus de plaisir, encore plus de joie, qui va te permettre d'aller vers ce qui a du sens pour toi rappelle quand on fait quelque chose qui a du sens pour nous, c'est aussi le meilleur moyen de trouver le bonheur sur cette planète. Donc autant aller dès maintenant vers quelque chose qui te, qui te remplit, qui te nourrit. et cette meilleure version de toi, c'est juste quelque chose que tu incarnes au quotidien. Ce sera pas demain, c'est maintenant, c'est déjà maintenant. Tu as déjà le choix d'incarner cette version de toi, que tu visualises toi peut-être dans le futur. Et bien, moi, je t'invite à l'intégrer dès maintenant. Ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant. Tu penses déjà comme cette nouvelle version de toi. Tu agis déjà comme cette nouvelle version de toi. Tu as déjà les habitudes de cette nouvelle version de toi. Et enfin, pour terminer, j'aimerais juste te dire que cette nouvelle version de toi-même, tu ne vas pas la trouver dans le contrôle. <laughs> C'est pas en voulant contrôler absolument tout que tu vas la trouver, mais bien dans le lâcher-prise, dans l'exploration, dans l'exploration de qui tu es et de quels sont les potentiels qui s'ouvrent à toi. Donc ça, ça demande vraiment un esprit d'ouverture. Si tu veux travailler cet esprit d'ouverture, le cercle de lumière est le meilleur endroit pour le faire parce qu'on s'autorise juste à être. Et même à découvrir qui on est. Et quand je dis on s'autorise, c'est parce que je ne suis pas la seule à t'accompagner dans le cercle de lumière. Il y a aussi des constellations familiales, il y a du breastwork, il y a de la sophrologie. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a, mais il y a d'autres choses qui vont arriver. Tout ça, en fait, dans l'objectif de venir nourrir encore et encore cette vision du, du grand soi qu'on a, de ce soi plein de, de puissance, de, cette, de ce soi qui a qui ouvre les possibles, qui ouvre les portes des possibles. Donc, toutes les infos se trouvent sous cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à quelqu'un qui en a besoin et à la commenter au besoin. Si tu as la moindre question, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très vite. Ciao.